Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. Ben, changement de casino et retour sur la machine à sous All Eyes, jeu que j'avais testé il y a 2 ou 3 ans en arrière, donc ça date un petit peu. Alors, poté de part 4000, on va tenter de pas tous faire bouffer d'entrée. Ah, c'est vrai qu'on a des jokers aléatoires sur ce jeu. Pleine lune, c'est l'escater. Si on pouvait en avoir trois assez rapidement, ce serait sympathique. Allez, on va tenter les mises à 50. Alors, la chance du débutant. Eh ben voilà. Les free games, un petit quatrième peut-être. On va pas trop en demander. Alors, win initial, 250 balles, 5 free games, additional, stacked wild. Allez, on y va. Alors, si vous pouvez me prendre une lignée de 2 ou 3 jokers, roule 2, 3 et 4. Oh! En parlant du loup, big win, 1830. Allez, dernière free game. Alors, 2235, on est monté à 6142. Donc ça, c'est la chance du débutant d'avoir les free games quasiment en début de partie. Allez, on réduit les mises. Ah, ça aurait été trop beau, 2 free games quasiment d'affilée. Alors, un peu plus de 2000 balles de bénéf d'entrée. J'espère que par la suite, le jeu ne va pas tout rebouffer. Ça, c'est fort probable. Dommage. Allez, un petit spin chance à 100 balles. On va tester. Et voilà, pas de chance. Je pensais que ça sentait le leurre. Eh ben non, les free games, c'est reparti. Bon, c'est que des mises à 25, dommage, mais bon. On va faire avec. Allez, rouleau 2, 3 et 4, les jokers, ce serait pas mal. Ouais, déjà que c'est rare pour les jokers de sortir, alors rouleau 2, 3 et 4. Ça doit pas arriver souvent. Ok, niveau win, on n'est pas au top. Retrigger. C'est pas retrigger, c'est retriller. 190. Ouais, c'est quand même léger, à même pas un x10 par rapport à la mise. Ça me démange de ranquer les mises à 50 balles, mais j'ai comme l'impression que si je fais ça, le bénéf il va se faire bouffer vite fait bien fait. Alors, rouleau 3, non, rouleau 4, il est là. Quand même, troisième round de free games. Alors j'espère que ça va payer un petit peu plus que le deuxième round, parce que c'était un petit peu la cata à niveau win. Ouais, dommage pour le rouleau 2. Oh! Core back rouleau 2, 3, 4. Alors là, c'est du big win, 2340. Bah 2665, c'est pas mal. Hein. Alors réfléchissons. Si on pique un petit peu de pognon au casino, je pense que je vais faire un arrêt de partie direct.
Ouais, je penserais pas une mauvaise idée, parce que éventuellement de poursuivre avec ce genre de jeu, c'est toujours le risque de se retrouver à zéro. Enfin, on verra bien. En tout cas, là, quand même, sacré coup de bol, 3 rounds de free games. Le troisième, il était bien payant, donc joli bénéf, on a plus que doublé la balance. Hop là, on poursuit, donc retrait partiel, j'ai laissé donc 3355, je m'attaque à la machine à sous Rames Rich, c'est pareil, un jeu que j'avais testé il y a 2 ou 3 ans en arrière. Alors, on va déterminer les mises. Allez, des mises à 20 pour commencer, ça ira. Alors, est-ce que cette machine à sous va être en mode générosité? Si on pouvait encore gratter un petit peu de pépette au casino, ce serait pas mal, mais bon, c'est bien sûr pas évident. Allons voir, 65. Alors, on va tester quelques mises à 40 balles. De toute façon, je teste les mises à 40. Si ça dégringole vers les 2005, je réduirai les mises. Alors, un petit triple scatter, ce serait pas de refus non plus. Voilà, on en a deux ici, manquait le troisième. Alors, est-ce qu'on va pouvoir gratter un peu le casino ou est-ce qu'on va se faire gratter par le casino lui-même? Telle est la question. Les mises à 40, là on va redégringoler sur des mises à 20. Allez hop, mise à 20. Bien tenté, mais rien de gagné avec les mises à 40, donc. Bon, ben, l'opération grattage au casino pour un retrait partiel, je pense pas que là. Enfin, ça a l'air mal barré. Alors, on va voir. 105, pas énorme. Bon, si ça continue comme ça, on va pas tarder à passer en dessous de la barre des 2000.
Alors les trois scatters, c'est quand il veut. On sait très bien qu'ils vont sortir, mais la question c'est quand. Ça peut être éventuellement dans une plombe. Allez, on dit au revoir au chiffre 2 qui se transforme en chiffre 1. Bon ben jusqu'à présent, Rames Riches, niveau win, on n'est pas au top sur ce jeu. Ah! Les 3 scatters, mais depuis le temps qu'on les attendait. Alors, win initial 100 balles, 12 free game. Mise à 20 balles, j'espère que ça va raquer. Ah, 15 balles. Il reste à espérer qu'il y aura du big win à la clé. Alors, est-ce qu'on va dépasser la balance départ de ce jeu qui était de 3355? Ça m'étonnerait, mais bon, on va voir. Allez, 5 free games de restante. Alors, un petit retrigger peut-être, et pas de refus non plus. La dernière, la dernière. Que dalle sur la dernière. Ok, 835 de gagnant, on remonte à 2665. Peut-être se taper une petite reprise de risque avec des mises à 40. Bon, ça dégringole en dessous de 2000, pareil, je vais rebaisser les mises, donc on va voir, au bonheur la chance. Alors, apparemment, c'est au bonheur la chance, j'ai pas de chance. Balles, allez, c'est parti. Alors, deux spins à 50 à faire. Alors, 137. Allez, un petit dernier, hop. Et bien voilà, 1993, on réduit les mises. Et ouais, les miracles, c'est pas tous les jours avec ce genre de jeu. Thank you.
Alors, 660. Ok, les deux wilds qui tombaient pile poil où il faut. Alors, retour du chiffre 2. On va retenter. Pas les mises à 50, mais des mises à 40. Alors, joli. 130, rien de plus. Ah, 4 scatters mis à 40 balles. Eh ben 16 free games, 600 balles de win initial. Donc je pense qu'après ça, arrêt de partie direct. Alors, mise à 40, ça va peut-être raquer du lourd. Allez, Mister Joker, on compte sur toi. On va peut-être même pouvoir repiquer du PS au casino. Ça serait une bonne initiative. Allez, Mister Joker, on compte sur toi. 4 free games de restante. C'est clair qu'on a gagné de la free game à foison. On repasse déjà au-dessus de la barre des 4000, donc il y aura encore du win avec les 20 free games de restante. Eh ouais, Rames Rich, il a payé que dalle pendant une plombe ce jeu, puis là tout à coup on dirait qu'il s'est réveillé niveau win. Alors, double joker ici, hop, 600 balles. Allez, 12 free games de restante, encore du win sympathique, c'est pas de refus. Quand même, je le sentais hyper mal cette partie, puis au final, le retournement de situation. Bon, de toute façon, on sait très bien que c'est aléatoire comme genre de jeu. Allez, 7 free games de restante. Ben quand même, 3270 de win. C'est pas encore fini. Ah, 30 balles, 30 balles. Alors, 3420 de win, c'est sympa, hein, 5818. Bon, ben là, je vais faire un arrêt de partie direct. Bon, retrait partiel, je pense pas encore, mais quand même, jolie remontée. On verra comment se goupillera la prochaine partie. Allez, next, direction la machine à sous Irish Ice 2. Pareil, c'est un jeu que j'avais testé il y a une plombe. Alors, Miss Joker, j'espère qu'elle va faire son taf. 25, 50, on va commencer avec des mises à 25. Donc 5818,50. On va tenter de faire gonfler ce joli montant. Mise Joker. Alors, on va enquêter les mises à 50 balles d'entrée. Dommage, pas de troisième scatter à l'horizon pour le moment. Alors, reste à espérer quand même que ce jeu ira quelque chose niveau win, parce que sinon, avec des mises à 50 balles, la balance va vite se faire défoncer. Ça, on le sait très bien. On voit des Miss Joker passer sur un peu tous les rouleaux, mais c'est rare qu'elles s'arrêtent sur le jeu de base.
Enfin, j'imagine que de temps en temps on doit avoir plein de jokers par-ci par-là, mais ça doit pas arriver très souvent. Alors, d'entrée sa torche, 5818, je suis à 4840. Voilà, un peu plus de 1000 balles de paumée. Alors, est-ce qu'on va se taper une remontée? Ça, c'est toujours les questions sans réponse. Alors, un petit spin chance, un petit spin chance. Ah ouais, 125 balles, ça pique. Voilà, on va en essayer un. D'accord, 20 balles de récupérer. Troisième scatter des manquants. Alors 24 de win. Alors pour le moment ça paye une plombe. De toute façon c'est le même fournisseur de jeu que la machine à sous Cool Bananas. Donc jeu qui paye rien pendant une plombe puis tout à coup file un gros win. Donc on va pouvoir avoir le même scénario ici. Tout cas là c'est clair que pour le moment ça paye pas grand chose. Voilà, chiffre 4 qui se transforme en chiffre 3. Alors, on a retrouvé le chiffre 4, mais je suis pas sûr que ça puisse durer. Alors, joli, 800 balles. Pas moyen qu'il me pende le troisième scatter.
Ah, enfin, il était temps. Alors, free game à 50 balles. 10 free game, win initial 200. Ah, lui, il fait peur parce que lui, c'est l'escroc de base. Le pote du Clover. Allez, Miss Joker, j'espère que tu vas sortir un petit peu de partout. Alors, joli win à la clé. On va dépasser les 5 818 de la balance de départ. Allez, 5 free games de restante. Voilà, on a dépassé les 5 818. Celle-là de free game, sans déconner, il aura fallu aller les chercher. Alors, 2282, 6449, c'est intéressant. Bon, je vais rester encore sur cette machine, je ne vais pas lâcher l'affaire. Alors, peut-être la chance du débutant, les 3 scatters qui vont ressortir, 2 rounds de free games quasiment d'affilée. Ce qui arrive de temps en temps, c'est un peu rare, mais de temps en temps ça peut arriver. J'aimerais bien garder le chiffre 6, mais ouais, voilà, là il se barre, il se transforme en chiffre 5. Alors, scatter, dommage. Le troisième scatter, celui-là pour l'avoir, c'est pas gagné. Dommage, dommage, pas de troisième, pas de troisième. Alors, après une jolie remontance, ça fait une jolie redescente. S'il y a moyen d'inverser la tendance, c'est bien sûr pas garanti.
pas moyen qu'il me pende le troisième scatter. Allez, 62,50 la mise, on va essayer ça. Ah, joli. Alors un petit coup d'œil par là, 5137. Eh ben non, deux scatters, pas de troisième malheureusement. Eh ben enfin il était temps, 50 balles les free games. Alors j'espère que ça va raquer du lourd. Allez les petits escrocs, on compte sur toi. Alors Miss Joker, si elle peut un peu se dispositionner un petit peu de partout. Game de restante. Les Miss Joker, il en sort pas beaucoup à la fois. Alors, deux free games de restante, 1374. Ok, on est remonté à 6355. Alors je lâche pas l'affaire, toujours pareil, je poursuis les parties. Là, je suis reparti pour tenter de regagner un autre round de free spin, mais ça va peut-être sortir dans une plombe. Eh ben voilà, 4 scatters, bordel à chiottes, 15 free games. Bon ben je pense qu'après ça, je vais me barrer de ce jeu. Allez, tous les prix sont triplés, hop. On peut dire que c'est la chance du débutant, j'ai continué la partie, les 4 scatters. Alors j'espère qu'il va y avoir du win à la clé. Ah, 3 miss joker, 3 miss joker, 800 balles.
sens qu'on va encore pouvoir gratter un peu de pépettes au casino, ça c'est une bonne nouvelle parce que faut être réaliste, c'est pas facile. Allez, un petit peu des miss joker un petit peu de partout serait pas mal. Allez, 6 free games de restante. Encore peut-être du win potentiel à gagner. Alors un petit retrigger serait pas de refus non plus, mais bon, on va quand même pas trop en demander niveau générosité de la part de ce jeu. Allez, la dernière. Bon, bah 2260, 8117, je pense que on va gratter encore un petit peu de pépettes au casino, puis éventuellement voir pour les prochains jeux, mais bon. Je préfère préciser, ce genre de jeu c'est aléatoire, c'est au bonheur la chance, on peut pas tout le temps gagner, enfin je pense que ceux qui regardent mes vidéos, ils savent très bien. Mais c'est clair que c'est pas évident du tout. Tentative sur la machine à sous Uncharted 6, donc ça va pas être gagné d'avance. Alors on va attaquer d'entrée avec des mises à 50, au bonheur la chance. Bon, c'est vrai que sur les précédentes parties, il y a eu quelques wins, par la suite quelques loses, donc. Enfin, c'est le principe des vases communicants. Ah, les jokers expansifs, le big monster. Oh, un deuxième. Est-ce que ça va raquer un big win? Ah! Alors, c'est pas mal du tout. Ah, bah ouais, sans déconner là quand même. Et ouais, Mister le Big Omar sur du 5 of a Kind, 2330, bah c'est pas mal. On peut dire que c'est un bon début. Enfin, je vais pas m'enflammer, mauvais souvenir de la précédente partie, enfin il n'y a pas trop longtemps, le jeu Lucky Lucky, 2500 balles de bénéf qui sont été rebouffées, puis par la suite. La balance elle a disparu. Alors voyons voir. Alors 6000 pile poil. On va pas s'enflammer, 2000 de bénéf, ils vont peut-être très rapidement se faire rebouffer. On va pas le numéro 3. Alors 5450, ça réduit. Après le big win, c'est la big série de parties perdantes. Alors, est-ce qu'il va me pondre le troisième scatter, ou le 3 que dalle, ou le 4 du gros vent et rouleau 5. C'est pareil, triple leurre. Ah, quand même! Arrêt de rouleau, je pensais pas qu'il allait me le raquer. Les bonus game, on a 5210. Alors, j'espère que le big joker il va se manifester.
du joker. Alors rouleau 4, voyons voir. Joker rouleau 4, c'est pas très avantageux. Alors, Total Win 210. J'espère quand même qu'on va dépasser le x10 par rapport à la mise. Allez, fais-moi un triple wild, rouleau 2, 3 et 4. On avait le droit de croire au Père Noël. Quand même un joli win ici, 650. On a 860, 6 free spins de restant. Alors le Big Kraken, le Big Joker, il va plus se montrer. On a dépassé le x20 par rapport à la mise, mais bon. Fais-moi un deuxième wild d'ici. Pas moyen. Allez, dernière free game. Total win, 1270. Ok, ok. Alors du coup, on a 6480. Voyons voir. Ouais, je pense que je vais peut-être faire la flippette et me barrer et basculer sur un autre jeu, parce que quand même, un joli win. Si je continue la partie, enfin, il y aura peut-être encore du win, mais peut-être que le bénéfice va se faire rebouffer. Du coup, on se barre, on verra sur les prochaines. Allez, next, bon, mauvais choix, ça a aucune idée. Donc, la machine à sous du Père Noël, Naughty Santa. 6480, on va tenter de plumer un peu le casino, si on ne se fait pas plumer nous-mêmes. Allez, 37,50, on va essayer ça. Alors, joli bénéf sur le précédent jeu, mais attention, on va se communiquer en des casinos. Des fois, on gagne sur un jeu, on repère sur un autre. On assiste actuellement à une réduction des crédits de la balance. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que la tendance va s'inverser? Triple mise, pas grand chose. Alors un troisième scatter serait pas mal. Eh ben tiens, triple dans ta face, gratteur fou, hop. Allez, je vais tenter. Allez, mise à 52,50. Bon, là, 20 spins perdants, ça va faire 1000 balles de moins dans la balance. Donc, enfin, espérons que ça rack. Ah! Dommage pour le dernier rouleau, mais c'est quand même pas mal. Et bien, un big win de 708. Faire un spin chance, 150 balles. Malheureusement rien, j'ai pas les baloches pour enquiller plusieurs spins d'affilée à 150, donc hop. Mmh.
Oula. Ouais, qu'est-ce que j'ai vu? D'accord, ouais, je crois que j'avais vu des trucs. Bah ouais, c'était 210, non, il m'avait semblé voir des 2100, mais non, c'est mes yeux. C'était que des 210. Il semble avoir vu des 2100, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug dans la matrice. Eh ben non, c'était pas des 2100, c'était des 210. Peut se calmer un peu parce que là c'est opération défonçage. Allez, hop. 37,50, allez go. Miss 187,50, ok. Total win 780. Il y a un petit retour du chiffre 6. À l'arrêt de rouleau, hop, go, bingo, 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 troisième scatter. Ça rate du lourd, je pense que je vais me barrer, je vais faire un arrêt de partie direct car trop habitué à me taper du win, à me les faire rebouffer par la suite. Allez, 450. 7 free game, allez vas-y, fais-nous un raquage, un spécial raquage. On a 12,50 qui flash de partout. J'avais commencé, c'était 6480 si je me rappelle bien, donc c'est génial pour le moment. Dernière free game, oh la big miss, la big miss. Elle nous a même montré son string là par l'occasion. Alors, du 50 balles, on va laisser le suspense parce que là je sais pas combien il y a eu de 50 balles qui ont flashé. Et bien, méga win. Ouais, c'est clair qu'après ça, close, on se barre, c'est quand même la chance éphémère avec ce genre de jeu, donc... Eh ben, 8238, ça c'est cool, prochain jeu, on pourra enquiller éventuellement des mises un peu plus élevées. Allez, 8 free game, total win 2250 pour des mises à 37,50, c'est pas trop mal, 8238, joli score, hop. Eh ben on se barre et on verra pour les prochaines, sacré coup de bol. Espérons que Madame Chance soit encore au rendez-vous sur la prochaine partie, ça va pas être évident. Allez, on enchaîne, donc machine à sous mystique fortune de luxe avec la miss joker expansive, donc bon choix ou mauvais choix, ça a aucune idée. On saura le résultat dans quelques minutes. Allez, mise à 35, ça ira pour commencer. Joker, j'espère qu'elle va s'apparaître en double ou en triple exemplaire. Alors double wild du big symbole, on va voir. Ouais là je pense que tout ça accumulé ça devrait être théoriquement pas trop mal. Alors un big win qui flash. On va voir jusqu'à où compteur il va grimper. Alors 3. Excusez-moi mais je suis curieux. 581, rien de plus.
305. J'avais commencé cette partie, 8230 balles, quelque chose comme ça. Donc on en bénéfice pour le moment, mais bon, pas garanti que ça dure. Ça m'étonnerait qu'il me prenne le troisième. Oh, ouais, d'accord. On peut dire que c'est la chance du débutant. Bah, espérons que ça dure. Bon, bah après ça, je me barre, hein, parce que je pense que là, ça va raquer, donc... Et voilà, 1440, après ça, ça arrête partie direct, donc on verra le score au niveau de la balance. Je pense que ça va se terminer sur une balance à 5 chiffres. Et bah, tant mieux que la chance soit de retour, parce que si je me prends tarte sur tarte, forcément, bah... Après des multiples tartes, on arrête de jouer car c'est quand même un peu abusé. Donc si la good luck est de retour, c'est tant mieux. Vous avez gagné 1505. Ouais, voyons voir. 9898. On n'a pas une balance à 5 chiffres, mais quand même, c'est pas trop mal. 1505 de win. Bon, ben là, terminus, tout le monde descend. Je pense que pour la journée, j'ai eu ma dose de partie de machination. On continuera éventuellement demain. Petit bénéf, un joli bénéf. Sur ce, on se barre.